crapauds poussés. Toi seul peux les comprendre. Ils te guideront jusqu'aux rayons enchantés. Et grâce à eux, tu trouveras la vallée des crapauds. La pluie, ça fait de la boue, ça mouille. La pluie n'arrête pas la petite patrouille. Crapounet, stop! Je parie qu'on s'est encore perdu. Perdu? Non, on n'est pas perdu, voyons. Je ne sais tout simplement pas où on est, c'est tout. Moi, je sais, on est au même endroit que ce matin. On était juste là. En bas! Oh, Ciboulot! Réponds, où es-tu? Moi, je vous le dis, on tourne en rond. Mais oui, souvenez-vous, c'est là que le serpent nous a sauté dessus. Ce gros sournois des rébus nous guettait bien tranquillement derrière ses troupes. Aujourd'hui au menu, un crapounet sauce gadou. Sautons tous ensemble. Perdez rien pour attendre. On se reverra, mes jolies. Il est parti. Pilou en vitesse. Tout à fait ce qu'il me fallait. Un bain de boue. Eh oh, attendez. Pas si vite. On ne trouvera jamais le rayon enchanté. Attends si on continue de tourner en rond. Il ne faut plus qu'on avance à l'aveuglette. Comment faire? Servez-vous d'une boussole. Pour ne pas vous perdre dans la forêt, vous devriez vous servir d'une boussole. Avec ça, on sait où on va. Ça évite de tourner en rond ou de revenir sans arrêt sur ses pas. Bonjour, Ménestrel. C'est beau ce que tu jouais. Nous n'avons pas de boussole. Moi non plus. Mais j'ai un morceau d'écorce et du charbon de bois. Avec ça, je vais pouvoir noter notre position. Je serai le pisteur. Il va bientôt faire nuit. Nous devons trouver un refuge. Alors suivez-moi. Si on cherche un endroit pour dormir, je sais exactement à qui demander. Et pourquoi ce serait Ciboulot le pisteur? Tu sais pas dessiner. Ah, eh ben oui. J'étais sûr qu'il y avait une bonne raison. Désolé. Pétronille! Pétronille! Es-tu sûr que nous sommes au bon endroit? Affirmatif, elle va répondre. C'est une très vieille amie à moi. Très vieille? Qui ose me traiter de très vieille? Et toi, Ménestrel? Oh, mes chéris, oh, qui sont trognons ces petits bouts? Qu'est-ce qui vous amène? Je parie que vous cherchez un endroit tranquille pour dormir. C'est vrai ou c'est la vérité? Je suis très perspicace, ne vous en faites pas, mes petits nounines. Vous croyez que Pétronille est le genre de salamandre à vous laisser toute la nuit dehors sous la pluie? Bien sûr que non, mes trésors. Allez, en route, ne restons pas là. Bavassez, je connais un endroit fait sur mesure pour crapounet flaguena. Suivez-moi. Et voilà, mes nounines, nous y sommes. Désolée pour la grimpette, mais par temps de pluie, les grottes du bas sont inondées. Pétronille, merci. Ton hospitalité leur fait chaud au cœur. Boniface, tu prends le premier tour de veille. Oh. Surveille le niveau d'eau. Il ne faudrait pas que ça monte plus haut. Le ciel est devenu noir là-haut. Ferme les yeux, Ciboulot. Crapousset et Ciboulette, les petites lumières vous font la fête. Crapounet, faut faire dodo. Rêve les rêves viendront bientôt. Tout petit, il faut dormir. Vive les rêves qui font sourire.
lorsque nous partirons demain, il sera long, long le chemin. Mais ce soir les ennuis s'envolent à la lueur des lucioles. Crapounet pour faire dodo, rêve les rêves viendront bientôt. Tout petit il faut dormir, vive les rêves qui font sourire. Échappée belle. Je me suis endormie. L'eau envahit la grotte. Oui, ça, on a vu. Faisons une chaîne en se tenant par la main et essayons de sortir par le haut. Oh 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 ouais. Oh. Attendons que la grotte se remplisse et l'eau nous portera au dehors. Ouais. Et si on tient assez longtemps sans respirer? Les crapounets tiendront peut-être, mais pas Petronille! Sauvez! Oh, merci! Ils sont nous là-haut! Et dépêchez-vous, le niveau monte! Il existe sûrement une autre sortie! Eh bien, trouve-la et vite! Oh. Oh, de la lumière. On n'arrivera jamais à creuser un trou assez gros. Laissez passer l'expert. Joli coup. Et maintenant, tout le monde de l'autre côté. Attention, coup de gueule là derrière, j'arrive. Baisse-la, cette maudite, où je saute et hop là, suis-moi. Et vous croyez qu'elle m'attendrait? Même pas. Oh, c'est beau la reconnaissance. Je les sauve et ils me laissent tout seul. Et qu'est-ce qu'ils ont? C'est parce que je me suis assoupi. M'en veulent encore. Boniface, viens vite voir. Oh, ah, mille milliards de waoua. Je leur donne le nom de Brillance Rose. C'est celui qui trouve, c'est celui qui garde. Regardez sur la paroi. Qui a fait ça? Qui les a dessinés? À mon avis, ce sont les anciens. Ceux dont le patriarche vous a parlé. Peut-être que les anciens cherchaient le rayon enchanté, eux aussi. Et ces formes géométriques, là, on dirait les brillances roses qui sont par terre. Elles proviennent de ce tunnel. C'est peut-être là qu'est le rayon enchanté. Allons voir ça. Non, tu n'iras nulle part, on reste là. Ici, c'est moi qui commande. C'est ridicule, et en plus, il faut bien qu'on trouve une sortie. J'ai dit, on ne bouge pas d'ici. Eh, je te signale que sans mon marteau, on serait dans l'eau jusqu'au cou. Ah oui? Et si tu ne t'étais pas endormi, on serait pas dans le pétrin jusqu'au cou. Calme-toi, Fortiche. Tu ne nous donnes pas le bon exemple. Je suis l'aîné et on fera ce que je dis. Je dis, on reste là. Que vous soyez d'accord ou non. Oh là là, mes aïeux. Et moi qui pensais que c'était une famille unie. Très unie. Il se passe quelque chose d'anormal. Bon, puisque nous restons, profitons-en pour finir notre nuit. De sortir d'ici. Non. Fortiche, tu as été odieux avec Boniface hier soir. Tu
devrais lui présenter des excuses. Pourquoi faire? Après tout, c'était sa faute. Ce serait plutôt à lui de s'excuser. Oh, et Boniface est parti. Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, on a cherché partout, il est introuvable. Dodo, je suis épuisé. Je ferais peut-être bien de faire demi-tour. Maintenant, on va perdre la journée à le chercher. On ferait mieux de le laisser où il est, tiens. Oh, tu n'as pas honte. Boniface! Boniface! Allons, réponds! Bon, on va bien finir par tomber dessus. Boniface! Oh! Ah, Gudule, il se réveille, le petit. Oh oui, réveillé, il est. Qui a dit ça? Gudule dit ça. Oh oui, oui, casse-croûte, prêt. Gudule, t'attendais? Comment ça, vous m'attendiez? Oh, Gudule, c'est tout. Oh, qui parle, dit tout à Gudule. Viens manger. Non, ce serait avec plaisir, mais j'ai affaire. Je suis attendu. Tout ça, c'est à cause de vous. Cristal rose mauvais, te rend méchant. Cristal bleu bon, cristal rose pas bon, te fait dire méchanceté. Vous voulez dire que ces trucs roses nous rendent fous furieux? Gudule dit oui. Fortiche en avait pris un, moi aussi. C'est pour ça qu'on s'est disputé. Gudule dit oui. Ouais, mais Gudule parle bizarre. Gudule, tout seul. Gudule seulement parle. À où qui parle? Il faut que je prévienne les autres. Votre eau qui parle, elle peut m'aider à retrouver ma famille? Je suis Gudule. Gudule va demander. Bon, ce tunnel ne menait nulle part. Alors lequel on suit maintenant? Bon, ça suffit. Cessez vos jeux immédiatement. Boniface a disparu et vous, vous vous amusez. Qu'est-ce qui vous prend? Mouton, t'as rien demandé d'abord. De quoi te mêles-tu, Fortiche? C'est pas interdit de jouer! Ménestrel, dis-leur d'arrêter! Je voudrais bien, mais franchement, je vois pas comment, hein. Je les reconnais plus. Ils ont changé. L'esprit des anciens s'est peut-être emparé de leur corps. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Les brillants roses! Gudule croit, les anciens ont créé l'eau qui parle. Et qui sont les anciens? Gudule te montre. Milliards de mille, waouh! Quand mes frères et sœurs vont voir ça? Les anciens tous partis depuis longtemps. Ah oui? Quoi c'est, des frères et des sœurs? C'est ma famille, c'est un peu comme des amis, mais en beaucoup mieux. Ah, Gudule aimerait ça. Oh oui! Oh, qui parle raconte à Gudule chose déjà passée, chose qui arrive bientôt. Comment ça marche? Mets doigts dans l'eau. Pense frère et sœur, oui. Waouh! Je me souviens de ça. On a sauté tous ensemble pour sauver Ciboulot. Là, c'est quand on a uni nos forces pour grimper le long de la branche. Oh, j'ai eu tort. J'aurais dû rester avec eux. Le seul moyen d'arriver sain et sauf à la vallée des crapauds est de rester unis. Gudule, montre ce qui arrive bientôt aux frères et sœurs. Ah. Boniface, nous avons l'air. Là. Toi, interdit? J'y vais quand même. Mes frères et mes sœurs sont prisonniers. Pas encore prisonniers. Ou qui parle, dis ce qui arrive bientôt. Je peux peut-être les avertir avant qu'il ne soit trop tard. Montrez-moi le chemin, s'il vous plaît. Que tu me dis non?
je vous en supplie, je dois aider ma famille. Rien n'est plus important au monde. Gudule dit oui, mais Boniface reste avec Gudule. Hein, que je reste ici avec vous, pour toujours? Gudule veut famille, oui. Boniface devient famille de Gudule. D'accord, je reste. Maintenant, montre-moi le bon tunnel. Vite! Portiche, fleurs bleues, prudence! Posez les brillances roses, elles sont dangereuses! On est à la vallée des crapauds! On ne craint plus aucun danger! Je ne comprends pas. Si c'est bien la vallée des crapauds, logiquement, il devrait y avoir des crapauds. J'ai un mauvais pressentiment. Il va y avoir un malheur. On t'a déjà dit de ne pas toucher ces brillances diaboliques. Minestrel a parlé des roses. Celles-ci sont bleues. Je les emmène avec moi. Écoutez-moi tous. Il faut sortir de là. Ce n'est pas la vallée des crapauds. Non, n'approche pas. Tu es un menteur. Donne cette brillance. Non. Mais non. Ménestrel, regarde! Tout le monde dehors! Au pas de course! Boniface, fais-nous sortir de là! J'y arrive pas, ce cristal est trop dur! Gudule, comment peut-on détruire le cristal? Vous connaissez un moyen? Oh bleu, dévore cristal rose. Insuffisant. Gudule, désolé. Je sais où trouver de l'eau en pagaille. Ramenez-moi au premier tunnel. Boniface, nous abandonnons pas. À l'aide. Il y a assez d'eau derrière ce mur pour dévorer tout le cristal. Oh, Gudule, aidez-moi. Gudule risque une noyade. Mais non. Gudule à l'abri, Boniface en danger. Je dois les secourir. La famille, ça sert justement à ça. Les amis aussi. Amis en péril, Gudule doit secourir. Anéanti, grotte des anciens. Mieux ainsi, oui. Mais triste. Boniface, excuse-moi si je t'ai parlé un peu rudement. Ne t'excuse pas, tu n'y es pour rien. Tu étais sous l'influence du cristal. Venez, repartons tous ensemble à la recherche de la vallée des crapauds. Je ne peux pas venir. C'est ici que nos chemins se séparent. Quoi?
J'ai promis à Gudule de rester avec lui s'il m'aidait à vous sauver. J'ai juré de devenir son ami, alors je reste. Gudule dit non. Aucun ami arrache ami à famille. Tu pars. Oh, ça c'est ce qu'on appelle un ami. Oh, tu pars. Gudule reste. Et cherche une maison. Quand tu cherches une maison, mon grand, tu tombes bien. Je les connais toutes. Toi et des Gudules, tu es une nouvelle amie. Hey, ce sera l'occasion de mieux se connaître. Au revoir et bonne chance pour votre quête. Allez, va, suis-moi, mon grand. On a pas mal d'endroits à visiter. Sacré Gudule, vous croyez vraiment que je vais lui manquer? Regardez ce que Ciboulette a fabriqué. J'ai eu une super idée. J'ai mis mes brillances bleues à chaque bout et on peut voir drôlement loin avec ça. Jette un coup d'œil. Tu vois quelque chose? Un grand chêne. Je vois un grand chêne, loin, très loin là-bas. En route, petite patrouille, et que ça saute. Le soleil brille, on est heureux. Le soleil brille dans le grand ciel bleu. Et la petite patrouille va trouver le fameux rayon enchanté.